Sache qu'est-ce qu'il va vous permettre de prévoir, les prévisions de quoi vous allez faire avec Sage. On va commencer par la prévision. Puisque Sage, il nous permet de faire des prévisions uniquement pour produits charges, on va commencer par les produits. Pour prévoir, pour budgétiser ou bien budgéter ou bien faire des prévisions pour les produits, il faut aller chercher les comptes des produits concernés. Pour ce faire, je clique sur le module Entreprise et je vais sélectionner le plan comptable. D'accord? Donc, j'ai le plan comptable ici. Je vais aller chercher le numéro de les comptes concernés. Ici, j'ai robot éducatif solaire. Je clique sur robot éducatif solaire. D'accord? Je clique ici. Je cherche, regardez, compte, option de classe, information additionnelle, budget, compte, option de classe, info additionnelle, budget. D'accord? Donc, regardez, vous avez, je n'ai pas compris, ce n'est pas le produit que j'ai, robot éducatif solaire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, ce n'est pas le produit que vous avez pris. OK. Moi, je vois devant moi le produit. Donc, bon, pour ce qui est mars, pour ce qui est mars, c'est 69 640,15. D'accord? Ça, c'est les prévisions pour mars. Et j'enregistre. Pour passer au suivant. Ah oui, c'est la charge. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je m'excuse. Oui, je comprends maintenant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Budget, je vais enlever ça. Oui, c'est vrai. J'enregistre. OK, je ferme. Pas je ferme, je vais retourner. Dans le voilà 4000 en haut robot éducatif pardon robot éducatif budgété ce compte donc le montant c'est 69 640,15 je vous l'avais dit j'ai dit je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui je mélange charge et produit anyway bon robot éducatif. Et j'enregistre. Je passe au produit suivant. Je clique sur aller au prochain compte dans la liste. Table éducatif interactif. Je coche budgéter ce compte-là et je saisis le montant 39 850,70 et j'enregistre. Je passe au troisième article. Je coche budgéter ce compte, mars, ici, c'est 50 205,69. 50 205,69 et j'enregistre. Maintenant, je vais aller chercher CMV. Le CMV, c'est celui-là. Voilà. Donc, pour mars, c'est 62 000. 382,37. J'enregistre, je passe au suivant, qui est table éducatif interactif, compte 5030, budgété ce compte, le montant budgété 36 165,31. J'enregistre. Je passe au compte suivant qui est cheval à bascule télé guidée.
Budgeter, si vous ne cochez pas ça, vous n'aurez pas de place ou de case appropriée pour saisir les montants à budgeter. Donc, budgeter ce compte pour mars 31 900, 31,72. Voilà. Et j'enregistre. D'accord? Maintenant, pour ce qui est salaire, regardez quel est le montant des prévisions pour salaire. Donc, je vais aller chercher 54,10. Je vais aller chercher 54,10. C'est celui-là. Salaire et traitement. Budgeter ce compte pour mars sera 2745,60. 2745,60. Vérifiez, s'il vous plaît, le montant. J'enregistre. Suivant, la charge de l'assurance emploi, la contribution de l'employeur. D'accord? 1,652 pour 2021. Donc, budgeter ce compte, je vais mettre le montant qui est 39,60. J'enregistre. Compte suivant. RQAP, régime québécois d'assurance parentale, contribution de l'employé, c'est 0,492. 94 et de l'employeur 0,692%. Mars, c'est combien? C'est 19,43. J'enregistre. La CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, on va prévoir combien? On va vérifier. Et ce compte, et on va mettre 48,84. Donc, enregistrer. Charge suivante, retraite Québec, 5,90 pour 2021. La même chose que 2020, pas changé. Budgeter ce compte, mars, c'est 138,30. Et j'enregistre. Fonds des services de santé. Donc, on a dit 1,60, il y a 1,25, 4 et 1,65. Donc, on va prendre 1,65. Donc, suivant, 4, c'est pour le secteur public. 1,25, le taux réduit pour les secteurs primaires et manufacturiers. Le reste, c'est 1,65. De 2021. Donc, budgeter ce compte en mars, c'est combien? 43,65. J'enregistre. Donc, j'ai saisi les prévisions des ventes, les prévisions des CMV, les prévisions des salaires. Et maintenant, je vais saisir les prévisions des autres charges. OK? 43,56. Oui, c'est ça. Merci. 43,56. Là. J'enregistre. Donc, maintenant, on va aller saisir les prévisions des autres charges. OK?